quand même, je vous remercie d'être venu à Lozier, hein, malgré tout ce que j'ai pu dire et vous maudire passé un moment. L'association Terreaux Locaux cherche à répondre à deux problématiques principales. Tout d'abord, la question de l'accueil et de l'insertion des personnes réfugiées, mais aussi celle de l'insuffisance des services en milieu rural qui contribue à l'isolement de ses habitants. À ces deux questions, nous cherchons à apporter une réponse globale, cohérente en termes humains, économiques et écologiques. Je suis particulièrement heureuse de retrouver toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour qu'un tel projet de cohésion sociale favorisant la mixité et l'échange interculturel puisse voir le jour. Et donc on voit qu'à travers cet accueil, eh bien on peut faire revivre un territoire, on peut faire revivre nos communes. Donc voilà, moi j'ai juste envie de vous remercier, puis ça me fait penser à... Moi je viens du Trièves, donc à Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres, parce que c'est vrai que vous plantez des petites graines comme ça, mais ces petites graines, elles nous donnent foi en l'humanité. Donc 6 salariés en insertion aujourd'hui dans la structure et à terme, à l'horizon 2021-2022, un projet de pouvoir aboutir à 16 salariés, l'équivalent d'à peu près 12 ETP. Un des enjeux, c'est aussi le droit commun, que le droit commun puisse s'ouvrir aux personnes bénéficiaires, personnes réfugiées. Le projet Terreaux Locaux réunit toutes les composantes d'un projet innovant, social et solidaire, par l'accueil de personnes dont la vie auparavant était précaire. Un grand merci à tout le monde.